Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. 14 jours après assassinat président Jovenel Moïse, mon ou pas ta pensée, pays ou pas ta pensée, mettez chapeau bas devant voyant garçon ça. Après un bon bout de temps, en pile moun t'a posé tête yo question. Kote ancien président Michel Martelly, a pas pa di anyen nan koze a. Comme petit proverbe créole l'a dit, ray chien dit dans le blanc parce que c'est grâce à li en pile nan nou arrivé reconnaître Jovenel Moïse sous nom Nèg Banane. Eh bien, ancien président sorti dans silence li ak toute force li, ak tout courage li, mette chapeau bal devant Jovenel Moïse ak madame ni pour demander le pardon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, à travers déclaration ça, ancien président en fait, gen des bagailles pour qu'on est oui, m'bra l'expliquer ou. Nan tan longtemps depuis ou qu'on allait dans hôtel, tout le monde connaît ces bagailles ou al fait. Mais de nos jours, bagay yo chaviré. Eh bien, dans aucune chaîne opération la police mené, dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse, yo arrivé déposer la patte sur une équipe ZAM à grenade. Est-ce que Haïti dans la guerre? C'est question qu'a posé. Sans pas oublier tout, la police arrivé déposer la patte sur trois gros taureaux encore qui impliqués dans assassinat président. M'bral bon détail de chaque moun sa yo. Moi invité ou, rale tiches ba ou chita confortablement, fouko zami et faut pas rentrer la caillou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nouye? Encore une autre fois m'ap dou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois sou fait tomber sous channel là, pas hésiter activer cloche notification pour là. Pour pas rater aucune vidéo, ses amis pa ou fouko. Si gen des moun ancien président regrette sous la tête un moment, youn nan yo c'est Jovenel Moïse. C'était un bon ami, c'était un frère. Mais des fois, la vie a konn gen surprise, oui. Après toute histoire qui fin passé en deux bons collègues sa yo, Joseph Michel Martelly, ancien président, décide rendre hommage à Potorik garçon sa et mette le bien bas. Pour le demander le pardon. Et si ouais, ancien président qui a demandé pardon comme ça, qu'on est bagayotrice. Moi invité autant de déclarations ça, ak en pile attention. N'a vin ak plus détail pour bien comprendre. T'allez comme ça. Depuis l'aime prend nouvelle là. Me plate à terre. Cassé. Blessé. Indigné. A posé tête ma question, toute qualité question. Pour compte moi, ma pensée. Je dis, je me sens besoin de parler avec le président. Besoin de parler avec vous pour me dire merci, président. Merci pour le rêve que vous avez gagné pour Haïti. Pour le courage de tout. Faut dire merci pour le bel exemple que vous avez tracé. Toute une génération. Vous démontrez un pile jeune femme avec jeune garçon une façon pour vous camper. Vous avez une force. Haïti a besoin de ça. Malheureusement, c'est dans la mort plus le monde vient nous éclair. Ça qui t'a parlé, Tintin, vous payez. Ça qui pas t'intéresser, poser pour y écouter. Le monde choqué, la nation posternée. Sacrifice que vous faites, vie que vous baillez pour croyance ou non, Haïti mieux, ça pas de prix. Président, vous mettez quoi? Haïti réveillé. Président, n'a bon. Je dis à Haïtien réveillé. Président, nous ne pouvons pas perdre la bataille.
président chéri. Vous te comprenez Haïti. Vous te comprenez à toute contradiction qui gagne là-dedans. Ou pas de paix dénoncer. Ça nous tout nous a dit tout bas. Ou pas de paix affronter, ça a détruit nous depuis l'indépendance. Ou rivé nan problème nan. Nèg yo réagi. Yo krasé ou ak katouche. Mais zye peuple a calé. Peuple en colère. Peuple a vexé. Mais peuple a comprendre. Peuple a mette yo tout sous bonne touche. Faut que l'espoir bougeonne. Faut que tout le monde nous compte. Nous nous réorganiser et puis avancer ensemble, main dans la main, nous tous ensemble. C'est là où tu as pris. Et nous ne pouvons pas faire back. Président, merci. Vous mettez nous sous trac. Président, pape. Nous allons chercher où. Mais nous avons joué de ça. Nous avons pillé, nous voté, nous mettez là. Mais ce n'est pas pour ça. Nous ne voulons pas, madame, mon père. Nous ne voulons pas, petit, mon père. Nous ne voulons pas, petit. Pas de vouloir perdre la vie. Excellence, pardon. Pardon, tout ça qui t'a voué monter chaque jour. Sans yon pas comprendre que le comportement yon t'a encouragé méchant yon pour avoir ça. Yon pas comprendre. Pardon. Pardon, non, ça qui commet ça méchant ça. Yon pas comprendre ça. Grave dans l'histoire Jovenel Moïse là. J'ai l'impression même moun qui complotait pour touyer là bagaille la fait mal. Oui, ça qu'on rivé, on moun fin fait un crime et puis il regrette dès qu'il a fait crime là parce que j'en pensais bagaille là t'a pral passé, il pas passé comme ça. En tout cas, après parole ça m'a rappelé moi gayon les Jovenel t'a fait un discours, li campel déclaré ou même qui était là avant moi. Si ou t'es fait même gens avec moi, journée jodi a nous pas t'a plat, nous t'a pile loin toujours. Gon série de gros amis, toujours bien colté, bien habillé, belle veste blanc sou yo, nan zye pa ou e ou propre, ou e ou nice. Mais malheureusement, yo sale pour tellement yo fait pays ça mal. Pour aller plus loin, président Jovenel Moïse te déclaré des fois li kon honte devant étranger yo, pour tellement pas borisite, nous bay menti, pour tellement nous pas droite, pour tellement yo konnen nous toutes ces coquins et c'est de ça nous vivre. Bagayo triste, c'est vrai. Mais comme Jovenel Moïse, c'est un nan moun qui te kon toujours dit, li pap voye wash sou moun. Eh bien, quel temps de cri ancien président qui songel, qui envie palavel, qui envie wel, kap mande le pardon. Tout patou sou la terre, pays ou pa ta jam pense, rend hommage ensemble avec ancien président Jovenel Moïse pendant que la police lui-même continue à poursuivre Chimeli nan mené enquête pour connait qui est qui touye président. La police arrivé déposer la patte sous trois gros toro qui impliqué dans assassinat président et dans cadre opération ça en pile zam à grenade la police arrivé joindre nan maison ça pour bien dit nan yon hôtel. Parmi yon gen deux policiers. Mes amis, quoi c'est causé? Et moun sa yo arrive mette en bas code là, c'est Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte qui c'est des officiers yo, la police, ensemble avec un autre gros zouzoun qui c'est Dominique et Covin qui participait activement dans assassinat, ça veut dire dans toute réunion net monsieur était là, il t'a planifié assassinat. Donc jusqu'à présent, la police arrive déposer la patte sous 26 moun. Yo arrêté dans cas d'assassinat parmi yo 18 colombiens, 7 policiers qui placés dans isolement pour implication dans assassinat. En dedans de DGPNH là qui t'a bail plus détails sous opération si là. Depuis les
dernière présentation que je fais, il y a trois nouvelles arrestations qui effectuées. Il s'agit de deux policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Béa et réunion ça a été faite la caille Covington qu'on a arrêté déjà. Et toute information ça a eu confirmé nos collecteurs après analyse déclaration assaillant. Nous présentons nous là Dominique Cauvin qui sous contrôle la police, il est en détention. Après ça, la justice lance 8 mandats d'amener. Il y a 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, qui est en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascard Joseph Pierre. Ascard Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillant, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sous lui après mandat, monsieur est un réfugié aux États-Unis, il nous est en retracé et nous demandé autorité judiciaire aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter l'auteur, mon plus dangereux, qui était exécuté, qui t'a suivi, commandité, et opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix, que n'a pas cherché, et la police m'a dit, PNH l'a demandé, collaboration toute population, hein, pour nous capables le plus vite possible, mettre l'examen en bas-côte. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Béa. N'a pas cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous avons présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 3 assaillants qui étaient tombés. Et il y a pile l'autre monde que des CPJ a cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. 1 résidence Rinaldo Corvin. Une entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, on l'autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83, et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgrin 2. En d'un cas, en d'un résidence, nous saisissons un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels yon sésame la police. 14 pistolets qui la dans sésame la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions. Il y a 23 mesures conservatoires
que vous prenez en compte de policiers, dont 7 qui sont placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans le cas de Toucho, nous saisis 263 et cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, des cités ça déjà. Pour finir, Braldi, rapidement, nous joignons en pile auteur physique, yo. N'a pas travaillé sur auteur intellectuel, yo. L'enquête l'a continué avec un pile persévérance. La police a metté moyen avec, en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol. Et n'a pas travaillé sur pour nous chercher qui est-ce qui était by Cob pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut que Cob pour faire financement ça. Gagner infiltration dans la police là, il faut que tu aies un corps pour faire ça. Gagner beaucoup de monde, c'est City You. Tu as un corps, tu payes chaque bon montant pour te toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire, il y a un financement avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group. C'est lui qui t'a collecté un corps pour bailler. Parce que ça non. Information là. Nous sommes en phase pour nous exploiter tout les matériels que nous avons saisi pour nous capables de retracer, remonter à auteur intellectuel assassinat ça. Nous bail population garantie que la police là déterminée pour faire travail là. Et c'est la police là qui a mené enquête là, avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ, qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience, nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis, qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous, pour aider nous, retracer les gens. Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer les contacts que nous gagnons pour joindre corps pour faire ça. Et finalement, pour finaliser l'enquête là, remettre les ben, la justice. Pour que la famille présidentielle t'ajoute justice, pour que PIA t'ajoute justice. Merci. Donc, nous souhaitons bon Jean Limier fête. Et comme la police qui met tout petit poisson, nous connaissons gros poisson là, au derrière. Eh bien, m'espérer que vous arrivez sous yo tout parce que, m'senti Jean enquête là, après aller là, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous fin prendre tout petit complice piti yo, après ça, vous prendre trois l'autre gros taureau yo. Parce que, d'après un pile gros expert, yo déclaré opération ça qui fait là pour yo réunir tout moun ça yo pour yo arriver trouver yon seul grain moun gen pour petit 30 millions dollars qui dépensé. Donc en ce sens, est-ce que un petit pauvre malheureux a té dans la ria posséder l'argent ça? Non, nous capable comprendre pays d'Haïti, c'est pas seulement ti cocorate, c'est pas seulement isoti la pli barbecue l'amo sans jour qui bandit. Gon série de gros bandits à veste, gros bandits à col, gros bandits sérieux,
Moun qui fait paraître tête yo pour moun sérieux. Mais on dirait, messieurs, dames, ça a cap tiré coup de balle dans Matissan, puis sérieux passé yo. Oh yes. Kounya là, dis qui exemple wap tracer parce que l'on assassiné un président, non iso, non ti la pli pas cité dans bagay sa. Et gros to ou gros zouzoun, moun nou pata pense se non yo cité. Donc, qui exemple nous pral tracer sous bandi yo là? Comment nous pral camper devant yo pour nous dire yo déposer zam? Tandis que nous même nous n'avons fait crime dans le pays. En tout cas, le pays a malade tout côté. Le pays a senti tout côté, mesdames, mademoiselles et messieurs. Pour un pile monde, Jovenel Moïse, c'était un élément dans la classe moyenne qui distinguait grâce à l'intégrité. Il n'a pas jamais oublié quand il sorti. C'est un homme qui a été tête en holocauste. Il a assassiné parce qu'il a osé défier le système. Yon garçon qui présente comme yon leader progressiste, qui te gen détermination pour transformer pays d'Haïti. C'était yon homme qui te toujours kwe. Si nous chita ensemble pour nous dialoguer, ça ka changé. Donc, misye se nek dialogue là. Dans chaque initiative, la prend. Dans chaque action, la pose. En pile moun pa borisit kou lot bodlo, mande justice pour empirer. Question qu'a posé Kounia après enterrement président, qui ça pral passer? Est-ce que enquête a tout fini là? Est-ce que la police a continué la guerre à vidéo recherche? Est-ce que y a maré moun tout bon vrai qui impliqué dans assassinat? Qui ça Martine Moïse pral devenir? C'est ensemble de questions moun a posé dans moment. Moi invité ou toujours été connecté ensemble avec nous pour pas rater yon épisode dans dossier ça. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour les informations nationales et internationales. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Nous connaissons le cap à Paris pour recevoir lui-même funérailles nationales et président défunt président Jovenel Moïse donc grand pile activité cap mené dans cap haïtien gain mairie gain la police yo même qui prend toute disposition pour capable recevoir monde cap venir. Par ce temps dans Port-au-Prince même dans Port-au-Prince cérémonie hommage et témoignage dans mémoire défunt président Jovenel Moïse dans jardin musée Panthéon National et gagné un registre qui ouvert côté monde capable signer pour bail et pour présenter condoléances bail la famille et Moïse. C'était occasion tout pour un pile amis collègues collaborateurs parler de belles expériences que tu as gagnées avec défunt président. Par exemple, il y a le docteur Claude Joseph, qui est premier ministre AI et qui jouait Waltou, ministre Affaires étrangères. Songez, bonjour, mal la caille président, parce que généralement, moi-même avec madame président, nous gagnons des rapports assez étroits. Mal la caille président, m'te dans salon avec madame Nina Palé. Le président va comme si m'te dans kayla, li vini et puis madame nan levé di bal chita. M'di président, on connaît m'bat gen rendez-vous avec. J'ai tombé ri. Et puis monsieur dit m'écoute, m'bal gen rencontre là, m'ba vle moun gen rencontre yo met ali. Donc c'est comme ça, nous ri moi quitter kayla, m'aller et puis nan hôpital relé m pou dim que li te gen rencontre habituel yo avec les politiques pour jeune issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et pour partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Joute en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi, en me choisissant comme Premier ministre ad intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale
sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Et Claude Joseph, qui était ministre AI et qui était aux commandes, et Jodiat, que nous connaissons, c'est joue installation, Dr. Ariel Henry. L'autre collaborateur qui était prend la parole dans l'occasion, c'était Narom Dorville, qui était directeur cabinet défunt président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontré à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnu. Deux petites souhaites qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres en déhors qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ses décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. C'était M. Narom Dorville, qui est directeur cabinet défunt président et Jovenel Moïse, dans l'occasion et cérémonie, hommage et témoignage. L'autre collaborateur proche président, c'était Guichard Doré, qui s'était conseillé pour président Jovenel Moïse. Lui-même tout, il était bail témoignage dans l'occasion. Avant date ça arrivé là, 6-7 là, il était déjà assassiné caractère président. Dans un paquet de mensonges sous lui. J'ai connu un homme qui était en dialogue permanent avec l'histoire. J'ai vu, quand il a fait appel à moi au cours de l'année 2015 pour faire partie de son équipe de campagne, tel son conseiller stratégique, parce que c'était ça, mon rôle. J'ai vu un homme qui était déterminé. Le président a toujours dit qu'il ne peut pas trahir cause peuple. Parce que lui-même, il sortit de la paysannerie. Et là, son relation Chanel, il était bien avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, a pas ouais pour monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population, nous le monde en dehors, vos orteils, etc. Jovenel Moïse était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice, un idéal de progrès à la nation. Je crois que après ça qui passé là, la nation tout entière, et même les opposants les plus farouches du président, ils ont condamné à cela. Nous, dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, ils ont consterné. Donc, Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier moyen, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans. 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans et 5 mois pendant le président, je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Doré, ça me fait là comment l'histoire jugée. C'était toujours comme ça. Il se voyait comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays.
surtout pour les masses rurales. Oui, tout programme ni, c'est président souvent, nous toujours moi dans bioli, l'après qui côté de l'eau, est-ce qu'il travaille, le tel ministre ou tel directeur général, j'ai jamais vu que travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit côté en section communale là, à qui niveau projet aille. C'était Guichard Doré, yon proche collaborateur défunt président Jovenel Moïse dans occasion cérémonie d'hommage et à mémoire et président assassiné Jovenel Moïse dans jardin musée du Panthéon National côté collaborateur amis collègues té abay témoignage nous tendez plusieurs témoignages et de ça et nous capable c'est un moment culturel tout parce que tu gagne des pièces et culturel qui t'est exécuté dans occasion donc grand pile monde qui fait déplacement pour un hommage dans mémoire et président assassiné et Jovenel Moïse et préparation qu'on a fait l'autre moment dans cadre et au dernier hommage que a prendre c'est nous parler dans cap haïtien donc nous capable monde capsien et nous capable tout et diplomate et qui là et nous capable Michel Sisson qui là qui lui même tout est venu rendre un hommage by dans mémoire président et ancien président ou bien défunt président assassiné Jovenel Moïse donc c'était une cérémonie côté que tu gagne pile pièce culturelle tant qu'on ça nous a regardé là donc gagne pile monde en pile personnalité de la place qui t'est fait et déplacement même et des personnalités du corps diplomatique t'est présent nan occasion pour un dernier hommage by président ancien président défunt président Jovenel Moïse et l'autre personnalité qui était là tout est gain ancien premier ministre Evans Paul lui même qui t'est réagi dans micro la presse et il dit que faut qu'haïtien suspende et assassiner président Yotefel depuis 1804 li l'heure pour nous suspendre à cause de ça Evans Paul pile indignation c'est inacceptable pour yo assassiner un président mais assassinat président c'est un exemple de toute une ambiance d'intolérance de toute une ambiance de confrontation inutile qui a détruit le pays alors je dis à nous en façon drame son drame national qui doit faire nous pays à yon l'autre gens. Pays a pas qu'à vivre sans sa diversité. Pays a pas qu'à vivre sans ses contradictions historiques, ses contradictions sociales. Dans mettant toute contradiction ça yo, faut que nous joignions en entente. C'est ça me les vivre ensemble dans. Pour ti moun à l'école, pour moun manger, pour moun gen kay priorité, pour moun joine justice, pour moun joine sécurité, pour yo suspendre tout yé moun sous belè, pour yo suspendre tout yé moun matissant, pour yo suspendre tout yé moun cité soleil, pour yo suspendre tout yé président. Depuis 1806, n'ap tout yé moun, li lè pour nous suspendre. Kelte Diego Charles, kelte bâtonnier, kelte Jovenel Moïse, petit pays ya, pas qu'on doit mourir par violence et nous pas qu'on doit accepter ça faut que nous condamnons c'est ça le sens de mon engagement de mon message et faut que tout le monde qui mourit mort violence mort assassinat joigne justice sans discrimination merci beaucoup donc c'était ancien premier ministre Evans Paul qui t'a exprimé indignation dans moment ça dans occasion cérémonie d'hommage dans mémoire et président assassiné à Jovenel Moïse. Et dans même jodi à tout, date ça 20 juillet 2021, c'est date qui retenue pour installation docteur Ariel Henry, nous connaît qui remplacé premier ministre AIA docteur Claude Joseph qui fait partie d'un gouvernement démissionnaire mais qui était aux commandes depuis assassinat du président Jovenel Moïse. Nous t'ai parlé avec docteur Henry et en vent formation équipe gouvernementale lié sous mission et que le pral gagne dans primature là nous connaît l'is là dehors déjà gagne en pile et personnalité qui reconduit dans gouvernement ça nous t'ai parlé avec docteur Henri qui dit que eh ben c'est pas un seul monde pas capoter charge l'eau ça
Moi, je pense que tout d'abord, une charge aussi lourde ne peut pas être portée par une seule personne. Moi, je pense que il faut que le peuple haïtien, la communauté politique, le secteur des affaires, tout le monde se décide à faire que de cette mauvaise chose, il en sorte quelque chose de bon. Et pas dans des petites querelles minuscules, inutiles, des pouvoirs. Moi, j'espère que c'est comme ça que ça va. En ce qui concerne la démarche, on m'avait dit que c'était une démarche suicidaire. Mais moi, je peux dire que, après la mort du président, moi, j'ai les courants de sympathie que j'ai reçus, les gens que j'ai rencontrés, ça s'est passé de façon très différente. Même ceux qui m'avaient dit que c'était suicidaire, ils ont dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Il y a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils m'ont parlé. Moi, je pense qu'il faudrait oublier les vieilles querelles et essayer de se remettre à faire de ce mauvais événement, de cette mauvaise image du pays, de cette douleur que nous tous nous ressentons, qui s'est passée, pour en faire une chose de positive. Ou en contact avec l'opposition radicale, là? Moi, en contact avec tout le monde. Je parle à tout le monde. Radical, moins radical, tout le monde. M'a parlé avec tout le monde pour nous essayer de voir qui nous a sorti nos bagages. Docteur Ariel Henry, qui est Premier ministre, nous était pas la veille quelques jours après l'assassinat président et Jovenel Moïse et sous et Tassa que le Bralguin pour le remplir dans la tête primature. Pendant que la cérémonie a déroulé dans mon panat, tu as gagné secteur démocratique et populaire là, qui même t'es rencontré avec la presse côté. Maître André Michel annoncé pas trop longtemps, il a pas le proposé et bay nation une solution par rapport à crise politique là. Pendant il dit yo pas appuyé gouvernement Ariel Henry qui joigne lui-même support communauté internationale. Communauté internationale pas fait ingérence dans affaires pays aujourd'hui. Communauté internationale qui était haïtien haïtienne travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, l'a pousser le gouvernement, ça pral mettre le pays en plus crise, ça pral mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent by dicter, qui pour dire qui ça qui pour faire, parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale va dire rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils ont le pouvoir par la force, communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là, complice. Parce que yo te mette ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution. Yo te mette ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021. Le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne moun pa ka niel, pa ka quitter le tombé. Jodia, secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin, nous font gros réunion avec eux. Demain matin, nous avons gros réunion. N'a travaille tout avec société civile là pour nous capables proposer à la nation haïtienne sans délai le plus vite possible une formule pour nous résoudre crise politique qui gagne là aujourd'hui. Et secteur démocratique là a redit encore. Pas gain aucun groupe politique qui capable imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas gain aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit le groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, il a levé un matin pour le dire voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous dit, nous pas attachés à aucune solution particulière. Nous pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays à nous allier là. Maître André Michel, c'est porte-parole secteur démocratique et populaire. Nous connaissons un pays d'Haïti, vaccination a commencé. Mais en attendant, ça n'a pas empêché que nous quimbé masse nous, parce que masse protégé, masse moins pour des jours.
ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Nous pourrons rejoindre Konya Sandra Dominique Lemaire, qui lui-même pourra, comme d'habitude, et malgré changement de statut, lui, qui Konya ses chefs services créole l'accueillier, mais il est toujours sur la balle. Il pourra dire nous qui dernière information qui sorti dans le département d'État, dans la Maison Blanche. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. On a commencé avec le département d'État, parce que le département d'État répond à une question à la Voix de l'Amérique posée aujourd'hui, hein, qui c'est est-ce que les États-Unis vont faire un commentaire sous le nouveau premier ministre haïtien, hein, Ariel Henry, et est-ce que l'administration Biden a intention d'inviter Ariel Henry à venir visiter les États-Unis? Donc, mais ça, Ned Price dit nous, lui répond une question nous. Il dit, eh bien, nous connaissons le premier ministre, non, pour prêter serment aujourd'hui. Hein, les États-Unis vont publier une déclaration sur ça, tout de suite après l'installation. Hein. Et nous connaissons que le secrétaire d'État Blinken, après l'assassinat du président Moïse, non, a participé dans plusieurs discussions. Et nous kembe contact, nous kembe un dialogue avec responsable haïtien yo. Yo di nou, même Jean avec responsable groupe placé américain yo, li di que li attend ni à ce que ap gen l'autre opportunité pour non seulement ambassade les États-Unis nan pays d'Haïti, mais tout responsable américain yo nan département d'État, nan Maison Blanche et toujours kembe contact, kembe discussion yo avec responsable haïtien yo et il fait nous connaît que bien entendu administration Biden non secrétaire d'État Blinken a suivre cérémonie installation Ariel Henry de près jodia. Pour nous parler de Maison Blanche Jacqueline, donc Maison Blanche lui-même question que lui répond c'est est-ce que les États-Unis pourraient envoyer une délégation à assister l'enterrement et président Moïse vendredi au Cap et qui est-ce qui a fait partie de délégation ça. Donc Jen Psaki c'est secrétaire de presse la Maison Blanche là, li pas voulu dire nous exactement qui est qui pourrait faire partie de délégation mais tu me dis exactement qui ça il était d'accord pour lui dit, il dit que nous pourrons envoyer une délégation dans l'enterrement, nous pourrons finaliser liste moun qui va faire partie de délégation si là. Mais aussitôt que nous faisons ça, nous avons fait la presse qu'on est. Il dit, par rapport avec l'élection, parce que l'autre question que vous avez posée, Jacqueline, c'est est-ce que les États-Unis pourraient faire un ralenti sous pression la mettre sur Haïti pour lui organiser l'élection en un mois de septembre? Non? Donc, il dit, réponse Jen Psaki, c'est pour faire l'élection, c'est par rapport avec l'élection, moi, pour le répéter, ça m'a dit semaine passée, à qui c'est l'essentiel pour les deux haïtiens yo travaille ensemble pour résoudre problème yo et puis pousser pour pied devant avec élection le plus vite possible, c'est-à-dire aussitôt que gain confiance que état santé publique là bon et que gain bon gens sécurité pour Maison Blanche là position nous pas changer. Jacqueline, ça c'est déclaration Jen Psaki, secrétaire de presse la Maison Blanche là. Merci Sandra, merci Sandra. Sandra c'est tout occasion tout pour me tout dit téléspectateurs officiellement Sandra non seulement avec nous mais c'est nouveau chef service créole là qu'on y a donc là-bas avec nous non seulement sous plateau mais là avec nous tout dans l'administration. Donc Sandra dans nos téléspectateurs dans nos autres collègues nous dit bienvenue dans le service créole là et nous dit où retourner la caillou. C'est ça, Ned. Merci, Jacqueline. J'apprécie ça. OK, merci, Sandra. Sandra Dominique Lemaire qui va nous dernière information concernant la Maison Blanche et département d'État sous ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais il faut dire que ce n'est pas aujourd'hui seulement et Ned Price réagit sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Hier, tout le monde a fait une déclaration et nous allons rejoindre Jean-Aubert Philippe qui, rapidement, brièvement, pour le dire nous, ce qui a gagné dans la réaction et Ned Price là, qui est un petit Jean-Chauffeur, Jean-Aubert.
Oui, définitivement, Jacqueline, et département d'État, en fait, journaliste dans le département d'État, t'es coincé et porte-parole là pour te poser la question. Qui j'ai fait expliquer que l'administration a changé de position rapide? Donc, il t'a supporté ancien premier ministre à Claude Joseph. Et d'un coup, après samedi, après que le groupe Lafine publié et communiqué là, et bien, tout d'un coup, l'administration a changé de position pour le Corée et premier ministre Ariel Henry. Mais il t'a dit que il même pas supporté personne et seulement il a supporté peuple haïtien et que il voulait que qu'on ait que peuple haïtien connaît que yo avel et que c'est peuple haïtien qui gagne droit lui-même décider qui est ce qui pral et dit quel monde qui pour diriger mais tout livré que peuple haïtien tout préparé livré que responsable préparer terrain pour que l'élection déroulé dans fin année que peuple haïtien capable en mesure pour sortir pour la choisir prochain leader. Jean-Robert Philippe, Jean-Robert Philippe tapé nous connaît que département d'État avec la Maison Blanche à suivre de très près ça qui a passé dans le pays d'Haïti et au même temps, il y a une position, il y a une réaction. Quand nous prenons dans le pays la France, côté que leader noir droit civique et américain Jesse Jackson eh bien, recevoir hommage dans le pays la France, dans le président Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, hier lundi. Because beyond all these contributions to your country and to civil rights, you are a special friend of France. I mentioned your French teacher at school in Greenville. Hier le 19 juillet 2021, président français Emmanuel Macron décoré révérend Jesse Jackson comme commandeur de la Légion d'honneur. Monsieur Jesse Jackson, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Président Emmanuel Macron précisé, République française là remet distinction ça par révérend Jesse Jackson, leader noir civique américain qui gagne 79 ans pour paquet lutte que le menait. Leader français a dit Jesse Jackson ou ses frères nous ou ses amis particuliers pour la France pendant que lui reconnaît que lui lutte en pile pour en pile valeur qui ses valeurs la France défend tout. Cérémonie décoration ça a déroulé dans salle des fêtes palais Élysée en présence 5 petites Jesse Jackson avec l'autre proche qui était fait voyage là qui sorti aux États-Unis. Docteur Kono Kapabwel, c'est Jesse Jackson qui est malade et qui fait Parkinson depuis 2017 et qui était à recevoir et distinction ça dans le même président et français Emmanuel Macron. N'a pas tourné dans le pays d'Haïti. D'abord, on a dit que dans le cap haïtien, eh bien, gagné et d'après ça, correspondant nous, Yvan Martin Jasmin fait nous connaître, eh bien, et la police avec la mairie prend toute disposition, y a nettoyé ville là pour capable recevoir moun kap sorti tout partout à travers le monde vienne participer dans funérailles président Jovenel Moïse. Eh bien, dans Port-au-Prince même dans jardin et musée Panthéon National là, c'était une cérémonie hommage et témoignage pour mémoire président assassiné à mais Jovenel Moïse, nous connaît qui assassiné 7 juillet qui s'est passé là. C'était une occasion pour plusieurs personnalités, collaborateurs, et fait témoignage sous relation que vous avez gagné avec le président assassiné. Notamment, nous avons tous les membres corps diplomatique là, notamment nous avons Michel Sisson, qui n'est pas ambassadeur encore, mais qui est toujours en place et en Haïti, malgré que Konya l'y affecté au département d'État, mais gagné l'autre démarche qu'a faite pour remplacer un capable vini, mais ça a demandé un processus tout. Donc, dans Mupana, c'était un moment culturel tout, tant que nous capables de pièce ça qu'a déroulé là, dans Mupana Jodia, et nous t'es capables d'entendre dans le programme dans Jodia, et Evans Paul, qui c'est un ancien premier ministre, nous t'es gagné tout, docteur Claude Joseph, qui était collaboré de très près avec le président comme ministre des Affaires étrangères et comme premier ministre AI. Nous t'étendons tout Narom Dorville. Narom Dorville, lui-même, c'est directeur cabinet de fin président. Et sans oublier tout, Guichard Doré, c'est un grand nom dans l'administration
ancien président, défunt président Jovenel Moïse là, qui lui-même t'a fait déclaration tout, et puis nous t'a gagné Evans Paul, tant qu'on nous dit déjà. Donc, funérailles là, c'est pour 23 juillet, Cap Vini là, dans la ville Cap Haïtien, deuxième ville pays. Donc, il y a un courage qui a fait 200 personnes la mairie qui a travaillé dans Cap Haïtien pour capable et rendre ville la propre. Hôtel, grand hôtel, principal hôtel, pas de place encore. Donc, c'est pour dire que focus là, c'est sur Cap Haïtien. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme, et puis malheureusement, nous n'avons pas de temps à dans le pays Pérou. Et donc, on a fait suivre ça qui a passé sur la page Facebook nous, pour nous capables de gagner l'autre information que nous avons ici. Joignez dans le programme. Je ramasse paquet moi, cause habitant pas misé la ville. Je prale. Mais ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou, ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.